petit poulet. Je suis en avance d'une minute et demie. Ah bah une avance pareille, ça se fait... Ça, hein? Oh. Il y a plein de choses à ouvrir aujourd'hui. Hein. Alors, j'ai pas reçu trop de lettres. J'y suis allée début de semaine, donc si vous avez envoyé fin de semaine, c'est normal. J'ai pas reçu trop de lettres, mais on a quand même... on a 4 lettres au format comme ça, donc assez petit. Une grande, une box que j'ai reçue d'Audition Blaze et des shoe parties que je dois ouvrir depuis Perpète qui sont toujours là. Mais je priorise le courrier que je reçois de manière régulière, tu vois. Moi aussi, j'ai trop hâte. Moi aussi! J'ai hâte! J'ai hâte, j'ai hâte. C'est trop bien comme petit rendez-vous pour finir la semaine, je trouve, en vrai, ce genre de stream. Un peu papotage, chill, partage et tout. Ça va et toi, Tammy? Peux-tu mettre le chat en noir? Ah bah vous êtes pas en noir, bah qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez en noir hier? Attends, bah bien sûr je vais vous mettre en noir, bouge pas. Bouge pas, je fais ça de suite. Oh, quand même. Merci Malina pour ton sub, 8 mois déjà. C'est beau. Merci beaucoup ma belle. On est à 259 grâce à toi. Va-t-on atteindre les 260 ce soir? Ah, bravo Pot de Pomme qui fait la bannière. Parce qu'on a un concours de bannière et d'écriture sur le serveur Discord. Et on a donné le sujet pour la bannière aujourd'hui. Il y a 2 semaines pour participer. Je veux plein de participation. Ça va et toi, Corne de Glace? Tiens, bah attends, je vais mettre déjà les petites lettres ici. En gros, ce que j'ai reçu cette semaine, c'est ça. Hop. Avec un chou-partiste aussi, mais je sais pas encore trop ce que j'en fais. Ah là là, je vais pouvoir mettre plein de accent circonflexe pour Google, accent circonflexe, un mois que j'attends ça, accent circonflexe, 8 mois. De pur bonheur, je vous l'offre, accent circonflexe, c'est un dernier pour la route, accent circonflexe, des... Merci Virginie. Merci pour ce magnifique message. Eh, mais vous avez tous donné des trucs. Wattel. Durer ce beau. Merci Wattel pour ton sub prolongé aussi. Donc merci Virginie pour ton 8e mois de sub. Merci Wattel pour ton 8e mois de sub aussi. Niveau 3 en plus, s'il vous plaît. Lilicorne qui a pris un sub pour son 8e mois aussi. Merci Malicorne, t'es trop shoot. Et qui donne 1000 bytes. Seigneur Dieu, ça fait beaucoup de bytes. Licorne, elle veut reprendre le stade. Parce qu'en fait, à certains paliers de bytes, vous recevez des émotes en plus, des émotes en bonus en fait. Il y a 1000 bytes, 5000, 10000, 20000, enfin voilà. Et Ali, à un moment, elle aimait bien l'idée. Vous avez fait venir le Thibaut Chouchou ! Fanny, qui prolonge en sub. Voilà, ça fait bien longtemps que je ne suis pas venue lors d'un live. Bonne année à tous les choups, choups, cœur, carte, cœur, carte. Cœur, carte, Google est en PLS là. Merci beaucoup Fanny, c'est trop gentil. Mon dieu, je ne suis pas à jour du tout. Ali qui a redonné 1000 bytes, parce que Ali elle fait pas... Elle sait d'une fois ça suffit pas, on va en faire deux, tu vois. Kiss Ali qui a repris un sub également pour le 3e mois. Je suppose que Google va te lire, Kiss Ali, je pense. Connaissant l'animal. Merci beaucoup en tout cas pour ton sub, c'est trop gentil. Vous m'explosez le petit bout de chouchou là en fait. Vous êtes en train de... être parti pour un 3e mois, toujours en compagnie de cette magnifique communauté. J'aime bien ce que Google fait, cette magnifique communauté. Après, tu vois. Merci beaucoup, Kissali, pour ton sub. 3e mois, c'est trop beau. Aéolisa, qui s'est abonnée avec Prime, merci énormément. Joël, qui donne des bytes. Alors, attends, je vois les historiques. Qui dit, j'essaie de me mettre sur la télé, mais elle est pas très coopérative. J'essaie de te mettre sur la télé, mais elle est pas très coopérative. Ça va y arriver, je suis sûre que tu vas y arriver, Joël. On a Ali qui a redonné des bytes. Mode tryhard activé, je veux mon dino. Oui, parce que je crois qu'elle est au palier de 20 000 bytes. Et 20 000 bytes, elle récupère un émote dino. Voilà. Alors, ça se cumule à l'infini. Hein, donc, même si vous donnez, je sais pas, genre 100 bytes une fois par semaine pendant Perpète, vous y arriverez au bout d'un moment, tu vois. Chiki, Dark Chiki qui a pris un sub pour 8 mois aussi. C'est trop gentil. Mais dis donc, mais vous êtes on fire aujourd'hui. Le dimanche. Il a pas su dire pouloulou. Il a pas su dire pouloulou Google. Dark Chiki, tu as mis Google en PLS. Le dimanche, c'est le jour du craquage, c'est ça? Akaru-chan, qui a pris un prime pour 7 mois. Oui, mon 7e mois d'abonnement, je suis trop contente. Accent circonflexe, accent circonflexe. Accent circonflexe, accent circonflexe. Accent circonflexe, accent circonflexe. Bref, trop contente de faire partie de cette communauté et de regarder ce stream accent circonflexe, accent circonflexe.
Monstrime à tous accents circonflexes, accents circonflexes. Accent circonflexe, accent circonflexe. Merci à Karuchan, merci beaucoup. Et qui a aussi pris. Merci vous, comme promis, je suis enfin sub. Je suis trop contente. Cœur carte. Cœur carte. Merci Gyokso pour ton sub de niveau 2, pour ton deuxième mois. C'est trop gentil. Tornade qui donne des bites. Mais vous m'avez exposé le petit bout de chouchou. Ça fait longtemps qu'on n'a pas exposé le petit bout de chouchou comme ça. Elle est où Tornade? J'ai perdu. Tornade, est-ce que Tornade m'a mis un mot? Kyokso Tornade. Coucou à tous, bonne année, je vous ai manqué ces derniers jours. Bien sûr, Tornade, tu nous manques toujours quand tu n'es pas là. Nous avons Arling. Alors, pour toutes les contreparties, message privé Insta, t'inquiète Arling, je te le ferai après. Hein. Miss Zaza. Attends, j'essaie de me reculer. Qui envoie 200 bytes, merci beaucoup. Ali, Camille, 1050 bytes. Ali, allez, allez, jusqu'au bout. Ali, elle veut ce truc. C'est bon, Ali, c'est bon. Je sais pas où t'en es, mais il doit pas être loin ton dino là. Là, il est mort le petit bout de chouchou. Ah, ben vous me l'avez explosé. Vous m'avez explosé le petit bout de chouchou. Du coup, alors en contrepartie, j'ai eu à boire de Lily Chou, le dos droit de Arling, à boire de Calériane. Je bois tout de suite. Et du coup, pour ton message privé, Arling, tu me l'as mis, c'est bon. Donc je t'enverrai ton DM Insta après le stream. La vache. La vache. Vous m'avez. Hein. Dis donc, hein. Oh. C'était la folie un peu. Oui, trop contente. Merci beaucoup à Kat pour ton sub de 3 mois. 3 mois de subprime. Et Ali qui offre un sub à Perlounette. Waouh. Merci énormément. Merci énormément. Ah non, mais ce début de stream de l'espace, là. On a tout pété. Vous n'avez tout pété. Il me manque encore 15 bytes pour le dino, c'est long. 15 bytes, ça va venir vite. Seulement 15 bytes. Putain, tu l'as démonté, le dino. Ah, trop cool, Silaya, t'inquiète, même chose, je t'enverrai ton DM à la fin du stream. T'as raison, Cyrielle, on peut se dire tout le mois bonne année. Ah, bon, 15K, ah ouais, prends ton temps, Ali, prends ton temps. T'as toute ta vie pour l'atteindre. Allez, let's go pour le chouchou. Merci à Kat, qui s'est incrustée dans le petit bout de chouchou une minute avant la fin. En gros, si vous faites un don, vous offrez un sub, vous prolongez votre sub pendant le petit bout de chouchou, vous avez, enfin, en train de live, vous avez un émote en plus. Ça démonte des dinos comme ça. En même temps, il est beau, le démon de dino. Hein. C'est fait bizarre de te voir en double. C'est la première fois que je viens. Je suis pas en double. Je suis en complet, en coupé. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Merci, la yayou. Moi aussi, je contribue au petit bout de chouchou. Très heureuse de pouvoir enfin te revoir en live. Merci, la yayou. T'es trop choute. Trop choupi. Merci beaucoup. Et on est 265 subs maintenant. Eh, hey, vous m'avez explosé les 260. J'ai jamais vu le dino, mais je doute pas qu'il est splendide. Bah, il n'y en a pas encore, personne n'est dino encore pour le moment. Personne. Alors, le but du stream d'aujourd'hui, c'est ouverture de vos courriers. Parce que là, on a eu une grande intro de stream, hein, magnifique, absolument grandiose. Faites-moi ça tous les jours, moi je veux bien. Hein. Et en gros, le but de ces streams-là, je le fais tous les dimanches à 18h. J'ai une boîte postale, regardez, hop, l'adresse est juste ici. Et vous pouvez m'envoyer ce que vous voulez par courrier. Alors évidemment, quand on dit ce que vous voulez, hein, voilà, évidemment, j'ouvre, comme vous pouvez le voir, je préouvre systématiquement avant, si jamais à un moment il y a un petit plaisantin ou un truc comme ça, donc j'ouvre toujours avant pour vérifier que ça reste montrable ou des choses comme ça, et ou que c'est des pseudos que je connais, etc. Et du coup, bah en fait, le dimanche à 18h, on ouvre ce que vous m'avez envoyé. Donc, j'ai l'impression, comme je vous dis, j'ai ouvert, je crois que dans celui-là, il y a un quiz pour vous. Ce qui est trop trop cool, c'est qu'en fait c'est un concept qui permet d'avoir des petites choses, genre ça peut être des cartes postales, ça peut être des lettres pour parler de vous, d'un sujet qui vous tient à cœur, ça peut être des petits boosters à ouvrir en vidéo, ça peut être des boosters que vous avez fait vous-même, ça peut être des dessins que vous avez fait, ça peut être des quiz que vous avez fait pour la communauté que je veux faire en stream, enfin ça peut être la pub pour un resto que vous aimez bien, une recette de cuisine que vous voulez partager. C'est vraiment, en gros, un partage de quelque chose que vous avez fait ou que vous avez envie de montrer, quoi. Ah, 1, 2, 3, je comprends. Donc, grosse question. Grave sympa d'ouvrir les courriers en live. Ouais, mais Just Nono, je trouve ça trop cool. Parce que j'avais déjà, en fait, ce concept-là pour les choupes artistes, donc vraiment réservé aux créateurs, à ceux, bah, justement, qui dessinent, qui font des trucs en fimo, enfin, voilà. Et je faisais de la pub pour eux en vidéo. Mais là, je trouve ça cool parce qu'il n'y a pas besoin d'être créatif. Dans le sens artiste. Il y a juste besoin de vouloir partager quelque chose et je trouve ça trop trop cool quoi.
Donc du coup voilà, si vous voulez partager quelque chose, ça peut être encore une fois un résumé de livre, par exemple un livre que vous aimez beaucoup, vous pouvez le prendre en photo la couverture et m'écrire le résumé, ça peut être une recette de cuisine, ça peut être une pub pour votre région, un endroit que vous aimez beaucoup, vous aimeriez partager, un film que vous aimez beaucoup, le résumé d'un film, le parler d'un acteur, un format quiz ou test, c'est super fun, enfin voilà, il y a plein de choses possibles. Donc n'hésitez pas à m'envoyer ce que vous voulez. J'ai encore du stock de choupes artistes hein, qui datent de longtemps. Souvent des artistes qui ont déjà envoyé quelque chose, comme ça ils repassent pas deux fois en vidéo. Mais déjà là cette semaine, hein, j'y suis allée mardi. Donc là j'y retournerai sans doute mardi ou mercredi. Il y a tout ça à ouvrir. C'est pas mal. Thibaut, j'ai une question. Vas-y, qu'est-ce que c'est Nifalarissou? Donc on peut partager à peu près tout. C'est ça, Just Nono, c'est ça. Alors l'idéal c'est de faire des formats justement, par exemple si vous êtes fan, je sais pas, imaginons un truc, vous êtes fan de Picasso. Au lieu de m'envoyer genre, je sais pas, 25, 55 des tableaux de Picasso imprimés via Google, par exemple pourquoi pas le faire sous forme de quiz ou sous forme de devinette. Par exemple vous l'imprimez une fois un tableau et derrière vous mettez une devinette pour que les gens essaient de deviner ce que ça peut être ou une anecdote sur sa vie. Enfin en gros, plus vous faites ça sous format ludique, plus ça va être agréable pour le chat ou la team Rediff qui y assistera. Faut peut-être penser à ça quoi. Au lieu d'envoyer un Picasso. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça peut quand même être du dessin ou c'est que des choux parties. Non, non, tu peux bien sûr faire des dessins. Alors, la différence, c'est que vous pouvez très bien envoyer un dessin ou deux dessins. Ou par exemple, pour des artistes que je pense à Fanélia par exemple, des artistes qui ont une boutique et qui sortent un nouveau truc ou qui sortent une nouveauté, m'envoyer juste un truc. Par exemple, par exemple, quelqu'un qui sort une nouvelle gamme de dragons en marque-page, bah, m'envoyer, je sais pas, trois marque-pages sur les 8 ou 10 qui sont sortis pour pouvoir le montrer à la communauté, dire ça existe, voilà, il y a ça, tu vois. On peut voir ça comme ça aussi. Merci Tornade pour tes 5 subs offerts, c'est trop gentil! Et Ali qui offre un sub et encore un sub, merci beaucoup! On est à 270 subs maintenant grâce à vous deux, merci beaucoup! Donc voilà, en tout cas, faites-vous plaisir et voilà, vous pouvez très bien aussi faire une lettre. Vous pouvez aussi parler de sujets qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez également poser des questions si vous voulez que j'en parle ou en stream, par exemple, je ne sais pas, sur un problème que vous avez. Ça peut être un problème d'ordre sexuel, relationnel, une question par rapport à comment faire pour régler un problème par rapport à son compagnon, des conseils sur certaines choses. Et on peut y répondre à plusieurs en chat ou alors peut-être répondre à certaines questions en vidéo, pourquoi pas sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez être anonyme, vous pouvez. Attention, une. Merci Priya pour ton sub, c'est trop gentil. Vous pouvez très bien être anonyme et mettre votre pseudo ou ne pas mettre de pseudo et dire voilà, j'ai pas envie que tu dises mon nom, donc je signe pas, mais si tu peux parler de ça me ferait plaisir. Vous voyez, c'est aussi tout à fait possible. Donc, ou on en parle entre nous, ou on en parle, ou j'en parlerai sur ma chaîne YouTube si je trouve vraiment la question importante, tu vois. J'ai vu la question passer. Si c'est de la nourriture, il faut te prévenir. Alors, de toute façon, j'ouvre systématiquement la semaine. Donc, si c'est de la nourriture, essayez peut-être de prévenir un de mes modos sur Discord, comme ça il me le transmettra et je saurai qu'il faut que je l'ouvre vite, vite, vite. Mais essayez de toute façon de ne pas me faire des trucs trop frais, puisque déjà quand je vous connais pas, je vais pas bouffer un truc qui vient de quelqu'un que je connais pas. Et surtout que ça reste au moins quelques jours, puisque le temps que ça arrive à la boîte postale, moi j'ouvre ça le dimanche. Et me faites pas un gâteau, par exemple, parce qu'il va. Par contre, si vous voulez prendre de la bouffe. Par exemple, une spécialité de la Bretagne, je sais pas, un gâteau spécial en sachet. Oui, comme ça, je goûterai en stream, j'ai déjà fait. Donc voilà, il y a plein de choses possibles. On peut vraiment faire ce qu'on souhaite, c'est vachement bien. Exactement. Imaginons, je sais pas, on avait pris l'exemple. Le thème sur le serveur cette semaine, c'est l'espace. Imaginons, je sais pas, vous êtes passionné par l'espace. Vous pouvez faire un quiz sur les planètes. Vous pouvez partager des photos de trucs qui vous ont fait vibrer par rapport aux dernières choses qui sont arrivées. Essayez de juste partager ce qui vous fait kiffer, en fait. Merci Iris qui offre un sum à Krafta45 et Fanny qui offre 5 subs, c'est trop gentil. Merci beaucoup. On a le droit de faire une petite dédicace à nos amis à la fin de la lettre. Bien entendu, Clara, vous faites ce que vous voulez. Encore une fois, dans la mesure du raisonnable, alors, je passerai pas forcément tout ce que vous m'enverrez si, par exemple, je sais pas, vous êtes une petite fille de 8 ans et vous m'envoyez 52 dessins. Ça ne passera pas en stream. Je vous enverrai un message sur Insta. Si vous mettez votre page Instagram, je vous enverrai quoi qu'il arrive un MP sur Insta. Je me garde la possibilité de ne pas tout montrer. Parce que voilà, il y a des gens qui peuvent envoyer des choses un peu bizarres ou simplement des choses qui me prendraient beaucoup trop de temps. Donc voilà, il y a ça quand même. Mais voilà, sachez que si c'est une lettre, s'il y a trois dessins, je montrerai les trois dessins. C'est juste, voilà, ne me faites pas forcément un colis de 8 kilos de création si vous n'êtes pas sûr de passer quoi. Merci beaucoup encore à Fanny pour tes 5 subs, c'est trop gentil, vraiment, merci énormément, et Iris aussi d'ailleurs, c'est vraiment trop gentil.
Et Anna qui offre un sub également. Ah non, qui a pris son sub pour le 8e mois. Et Fanny qui donne des bites également. Je rattrape mes retards. Merci beaucoup. C'est trop gentil. J'adore le concept, c'est génial. C'est trop... En fait, en vrai, c'est un concept qui peut vivre que grâce à vous. Donc, vous mettez pas la pression. Vous voyez, là, typiquement, c'est un timbre. Bon, là, elle en a mis deux parce qu'elle a mis beaucoup de papier. Mais techniquement, vous pouvez très bien envoyer un post-it avec une blague. C'est possible. Vous pouvez simplement faire un post-it, votre blague préférée, ou une devinette, ou un gage. Non, pas un gage, on va éviter, mais... Genre, voilà, ou une anecdote historique, ou une anecdote sur votre ville ou quoi, et vous mettez juste le post-it. C'est possible, tout est possible, en fait. Oui, alors l'adresse de la boîte postale, Linda la met dans le chat. Elle est aussi dans la description pour la team Rediff sur YouTube. Ou alors je vous la remontre là, hein, mais vous copiez ça sur l'enveloppe. Tiboudou Boudou, BP280-38001, Grenoble, CEDEX 1. C'est pas mon adresse de chez moi, c'est une boîte postale, comme le nom l'indique. Merci Anna pour ton sub. Oui, je sais plus. Non, je crois pas que je t'ai dit merci. Non, c'était Fanny. Non, c'était qui c'est qui avait prolongé. C'était Anna, je sais plus si je t'ai dit merci. En tout cas, je te redis merci. Merci beaucoup pour ton sub de 8 mois. Et le dos droit de Mermaid, tu as raison, je me tiens droite. Est-ce que vous avez encore des questions ou c'est bon? J'ai envie de te troll maintenant. Ah mais vous pouvez mettre des conneries, hein. Mais encore une fois, je l'ouvre avant. Donc, ça sert à rien de me foutre un truc chelou, tu vois. Ça reste gentil. Si ça reste gentil, y a pas de souci, hein. Les Thibauts vont recevoir plein de blagues nulles de ces choup-choup. Ah, mais moi, j'adore. Y a pas de problème, hein. Peut-on faire une demande ou pas? Alors oui, je réponds à ça parce que j'ai vu la question passer plusieurs fois. Et une limite d'âge, rappelez-moi de répondre à ça après. Vous pouvez, alors on l'envoie comme une lettre classique, c'est exactement pareil, c'est comme une lettre classique. La question, vous pouvez toujours faire une demande pour réserver un créneau, parce que j'avais fait ça pour les choupes artistes, mais simplement maintenant, si je vous réponds oui, vous passerez ou sur YouTube en vidéo, ou sur Twitch en stream. Ça veut dire que vous serez sûr d'être vu par un certain nombre de personnes, mais je vous garantis pas la plateforme. Parce qu'il y a certains choupes artistes, bah des fois, il faut que je les groupe avec d'autres. Des fois, j'ai pas forcément d'inspi pour les faire passer en vidéo. Donc si je vous dis oui à votre mail de demande de créneau, vous pourrez passer sur Twitch aussi. Je pense vraiment qu'en termes de visibilité et retour, vous y gagnez... Ouh là là, j'ai fait faire tomber mon verre d'eau. Vous y gagnez tout autant, voire plus que sur YouTube. Hein. Et du coup... Il peut vraiment y avoir plein de choses, étant donné qu'on l'ouvre en stream, ça peut être des trucs très courts, c'est trop bien. C'est même mieux. Vraiment, je pense que c'est justement ça qui pêchait un peu avec le concept de choupe artiste en vidéo, forcément. Parce que choupe artiste en vidéo, il fallait que les gens m'envoient de quoi tenir 15-20 minutes minimum. Et c'est long, 15-20 minutes. Là, vous pouvez m'envoyer, je vous dis, un post-it avec une blague. Ça suffit. Vous pouvez m'envoyer aussi un colis, bien sûr. Attention, vous avez le droit. Hein. Je sais qu'il y a quelqu'un, je crois que c'est Johan, qui a prévu de me faire un colis avec plein de trucs dedans... genre à ouvrir, à fun, etc. Vous pouvez aussi, hein. Mais les petits... Enfin, un timbre, c'est quelques centimes. Vous pouvez très bien faire juste une lettre, quoi. Et l'autre question, la limite d'âge. Oui, merci Morgose. Il n'y a pas de limite d'âge. Demandez à vos parents si vous êtes mineur, enfin, surtout petitot. Mais vous pouvez très bien m'envoyer une lettre si vous avez 12 ans, 8 ans, 6 ans. Je vous demanderai, par contre, de faire attention, encore une fois, et de ne pas m'envoyer trop de choses. Puisque, souvent, je sais que souvent, les enfants ont tendance à vouloir envoyer plein de dessins. Et typiquement, c'est le genre de support, je sais pas trop quoi en faire, puisque je me trouve avec 20 dessins d'enfants qui sont adorables, mais ça prend du temps à montrer. Donc essayez, voilà, pensez rapide, enfin pas rapide forcément, pas forcément rapide, mais pensez au stream, pensez à rendre le truc vivant, vous voyez. Autant faire un gros colis. Non mais Joël, voilà, tu vois, je t'ai cité à l'instant. Un Goélise, voilà, si vous voulez m'envoyer une lettre avec à l'intérieur une image de Goélise... Vous perdrez 80 centimes pour le timbre, mais vous pouvez. Si le courrier dure assez longtemps sur une vidéo, est-ce que tu le mettras sur ta chaîne? Je m'y engage pas, dit d'où? Pas forcément. Peut-être. Sans doute. C'est 50-50 de toute façon. Si, en fait, si je vous bloque un créneau par mail, ça sera l'un ou l'autre. Donc, je peux pas m'y engager. En fait, ça dépend de plein de choses. Ça dépend du temps que j'ai, ça dépend du stock que j'ai, ça dépend de l'inspiration, de l'envie que j'ai. Donc, je m'engage pas. Note à moi-même, baisse le nombre de dessins. Oui, c'est sûr. Après, c'est pareil, n'hésitez pas à mettre des petites devinettes, des petits... Comme on a d'ailleurs sur les présentations de choupes artistes, souvent, c'est rigolo. Est-ce que c'est tout bon, du coup? Est-ce qu'il y a encore des questions ou je peux attaquer? Ça fait quand même 18 minutes. Bon, ça va, 18 minutes, en vrai. Vous êtes chaud ou pas, en tout cas? Réserver un créneau, c'est une adresse mail dans la description de mes vidéos YouTube. Mais ça, c'est vraiment réservé aux artistes, entre guillemets, c'est-à-dire si vous avez un projet créatif. C'est pas pour m'envoyer une connerie. Si vous avez un projet créatif, quelque chose d'assez gros, qui vous prend du temps, et que vous voulez être sûr, entre guillemets, que ce soit rentabilisé derrière, et pas que je l'ouvre seul dans mon coin, vous pouvez passer par cette adresse mail-là. Cette vague de oui me comble. Eh bah écoutez,
Allons-y, let's go! Alors, on a donc pas mal de petites lettres. Donc celle-là, je pense qu'il y a un quiz. Je vais la garder pour la fin. Voyons voir. Là, pour le coup, j'ai juste ouvert, vérifié qu'il n'y avait pas de conneries. Mais j'ai pas lu... Ça se trouve, d'ailleurs, c'est pas quelqu'un qui veut que je le lise en stream. Hein, c'est possible. Je vous dis, vous pouvez m'envoyer des trucs sans que je les lise. Il y avait un petit ruban, mais j'ai déchiré. Je l'ai coupé en ouvrant. C'est des choses qui... Oh! On a une très jolie carte, déjà. C'est super joli. Donc, en gros, ce que j'ai là, c'est ce qui est arrivé pendant la semaine de Noël. À peu près. Voyons voir la lettre. C'est très mignon, déjà, avec la loune. Coucou, petit boudou-boudou. J'espère que tout va bien pour toi en cette période de nouvel an. Eh bien, écoute, tout va à merveille. Je sais pas vous, mais moi, tout va très bien. Pour moi, je dois dire que l'année se termine mieux qu'elle n'a commencé. Je m'appelle Alexia et j'ai 24 ans. Sur Twitch et YouTube, je suis Lex VHS. Oh, mais je connais. Est-ce qu'elle est là? Lex, tu es là? Je vois qui c'est. À force de vous voir dans le chat, en même temps, les pseudos, ils rentrent. Hein, au bout d'un moment... Même si je ne commande pas très très souvent. Ouais, je pense que c'est parce qu'il y a VHS dans ton pseudo, ça m'a marqué. J'ai changé mon compte Instagram il n'y a pas longtemps en Slowcraft quand j'ai ouvert ma boutique Etsy. Tu es arrivé de nulle part dans mes recommandations YouTube car je ne regardais rien de ce genre à l'époque. Il me semble que c'est quand tu as commencé Campus Life. J'avais passé un bon moment à rattraper tous tes let's play. J'étais dans une mauvaise passe et ta bonne humeur m'avait beaucoup aidé à remonter la pente. Si je t'envoie cette lettre aujourd'hui, c'est surtout pour t'envoyer ma petite carte de Noël. Dans mon atelier gravure, c'est la tradition de faire nos cartes de vœux à la main et de se retrouver pour se les échanger le jour de la Saint-Nicolas. Team Belgique. Ah, ça va faire plaisir à d'autres. Ah, elle est là, Alex ? Trop cool ! Tradition que j'ai continuée dans mon cercle d'amis, mais du coup, cette année, je ne pourrais pas les remettre en main propre. Alors me voilà à écrire mes petites lettres de Noël et je me dis « Tiens, si j'en envoyais une à Thibaut aussi ?» Car après tout, pourquoi pas ? Du coup, voilà, j'espère que ce petit renne de Noël te plaira. Je te souhaite des bonnes fêtes de Noël, même si je pense que quand cette lettre arrivera à bon port, la nouvelle année aura déjà commencé. Malin, Lex, malin. Des gros bisous de Belgique et surtout, on n'oublie pas, pouka pouka pouka. Petit dérapage artistique ou psy. Petit PS, je suis dyslexique et dysorthographique, j'ai oublié de me faire relire, je fais attention normalement, mais dans le doute, RIP l'orthographe. Alors, je n'ai remarqué absolument aucune faute, donc je tiens d'ailleurs à signaler à quel point elle écrit bien. J'adore la plume, c'est très joli. Très mignon, et du coup, alors attends, donc on remonte la carte. T'as quand même mis ton Insta, donc écoute... Alors, je me réserve le droit de ne pas partager tous les Instagram. Genre, par exemple, quelqu'un qui envoie une lettre pour dire coucou ou qui met une blague. On va peut-être pas aller voir l'Instagram. Mais là, il y a quand même un truc de créatif, donc j'ai bien envie d'aller voir. Où est-ce qu'elle l'a mis? Slowcraft. On va aller chercher ça. C'est trop cute, on est d'accord? Merci Salamèche06 pour tes bites. C'est chouki chouki. Alors, attends, fenêtre Insta. Voyons cela. Hop là, ça c'est ma page. C'est moi. Followez-moi si vous ne me followez pas encore. Voyons voir. Slowcraft. Slowcraft. Est-ce que je te trouve? Je crois que je t'ai trouvé. Oui, je l'ai trouvé! Magnifique. Putain, t'es doué? Eh? Eh? On est sur du talent ou pas? Eh ben, vous savez quoi? Tous sur Instagram, on lui envoie des cœurs. Tout le monde lui envoie des likes. Plus de likes pour Lex. Ta lettre est trop mignonne en plus. Celui-là, est. Hey. Je suis passée vite, mais il est trop mignon. Trop mignon. Ah, mais oui, t'avais participé. C'est Choupe des filles, ça. Ouais, conte de fées, je m'en rappelle. J'avais adoré ta façon de présenter. Ça fait grave conte pour enfants, je suis trop fan. Et c'est de la gravure. Ah non, ça c'est dessin, ça c'est illustration. Ah oui, t'avais participé avec elle aussi. Bah oui, je t'avais déjà liké. C'était une gravure, ça, je l'avais même fait passer dans le diapo. Le nom du compte, Slowcraft, S-L-O-W-K-R-A-F-T. Allez, vous lui envoyez de l'amour, vous lui envoyez des commentaires. Tiens, d'ailleurs, je n'ai pas, liké celle-là, alors que je la trouve super sympa. Je vais laisser un petit message. Commentaire, like. Elle dégage. Bon, du coup, il n'y a pas de grosse surprise parce qu'elle est dans le chat, mais... Hop. Faites-la, submergez-la. Je veux qu'elle soit noyée sous les notifs, même si elle est là. Elle est en mode, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, comment je vais traiter tout ça? Il y a trop de commentaires. J'adore. Alors attends, ça c'est poubelle, enveloppe vide. On va mettre la poubelle ici. La lettre, on va la mettre par terre, parce que si je commence à la mettre sur le bureau, je ne vais pas m'en sortir.
Elle a participé au shoot des filles de Noël aussi. Ah, mais je la vois pas encore. Mais j'ai pas regardé encore ce que j'avais reçu. Ah, c'est peut-être avec ça d'ailleurs. Ça m'étonnerait pas. Ah oui, shoot des filles. Oh, trop chou. En plus, je l'ai reçu IRL, quoi. C'est trop mignon. Elle écoute, magnifique. Magnifique. Très contente. Regardez, j'ai rangé pendant ce temps. Je suis organisée ou pas? Un petit peu, hein? Désolée, j'ai son téléphone, j'irai voir après. Ah non, mais t'inquiète. D'ailleurs, Team Rediff, vous pouvez y aller même après, hein. Il y a la vague d'amour en direct, mais c'est censé durer. Justement, plus ça dure dans le temps, mieux c'est, tu vois. C'est un vrai. C'est sur le long terme. Ah, Chloé, ça me fait plaisir. Rémi-san, tu sais, te prends pas trop la tête, hein. Tu verras bien quand tu sauras. T'es pas obligé de te mettre dans une étiquette dès maintenant. Alors, deuxième petite létrouille. Petit bout de doudou, toujours moi. Toujours moi. Il y a des petits cadeaux là. J'aime bien les petits cadeaux. Attends, je cache l'adresse. Mais regardez, on a un dessin de qualité derrière. Je tiens à dire que. Hein? Hein? Là, hé. Hey. Père Noël de qualité ou pas Père Noël de qualité? Désolée, je vais mettre l'enveloppe à la poubelle. Non, mais je suis désolée, mais à un moment, ah oh, hein, bon. Qu'est-ce qu'on a? Oh, le papier à lettres de l'amour! Oh, trop chouk-chouk! Bonjour Thibou, joyeux Noël! J'espère que tu as passé un joyeux Noël et que tu as passé des bons moments avec ta famille. Ça va, ça aurait pu être pire. Non, c'est très bien, c'est très bien. Franchement, trop bien. Je t'envoie deux petits cadeaux que j'ai trouvés sous mon sapin et qui j'espère te plairont. Il y en a un qui est le souvenir d'un voyage que j'ai fait en 2019, désolé du retard, dans un super pays qui est la Norvège! Oh, j'adore la Norvège! Et le deuxième, je l'ai trouvé dans un magasin qui me plaît beaucoup et lorsque je l'ai vu, j'ai pensé à toi. Pour finir, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Gigi Iroba Aurélie. Oh Gigi, t'es là ou pas? Gigi l'amoroso. Attends, je focus, c'est mieux. Trop chou, Aurélie. Est-ce que tu es là, Gigi? Gigi. Oui, elle était. En fait, il faut que je fasse moi-même l'autofocus et des fois, j'oublie. C'est embêtant. Est-ce que tu es là, Gigi? En tout cas, j'ai deux cadeaux, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Oh, tu es là, Gigi. Déjà, ta lettre est trop mignonne. Et tu vois, il n'y a pas besoin de 50 000 cadeaux. L'attention, là, elle me touche tellement. Vas-y, je commence par lequel? Est-ce que ça a une importance? Je commence par le grand ou le petit, Gigi? Qu'est-ce que tu préfères? C'est toi qui choisis. C'est ton cadeau, hein. Trop mignon, en tout cas. Trop chou. C'est un de mes surnoms, Gigi, c'est chelou. Ah, bah, il en faut deux, hein. Hey, Gigi. Le papier cadeau est chou aussi. Grave! J'en profite le temps qu'elle se décide. Le petit, je commence par le petit, d'accord. Regardez comment c'est mignon. Trop cute. Alors, commençons par le petit. J'ai prévu les ciseaux, mais j'en ai pas besoin. Pour le moment. Pour le moment. Bah, tu peux, Emmalory, mais c'est dommage. T'es sûr que ton courrier s'est perdu? C'est avec Noël, les facteurs, enfin, les trucs de poste. J'en ai quand même besoin, en fait. Les trucs de poste, des fois, c'est plus long, hein. Hop. Comment l'intention et l'âme et le cœur aussi. Exactement. C'est trop mignon. Oh, il déchire! Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, je collectionne les pins. Et elle m'a offert un pins de Norvège. Il est trop bien. Je l'adore. Oh, j'aime trop. C'est un drakkar, non? Je sais pas, je suis nulle en truc. Faites-moi des quiz, apprenez-moi des choses, envoyez-moi des lettres avec des trucs où je vais apprendre des choses. Cultivez-moi, j'aime apprendre. Il est pas trop ouf. Il est trop ouf. C'est un drakkar, ouais, c'est ça. J'aime trop. Je vais le sortir du plastique. Je vais l'afficher après. Oui, j'ai pensé aussi au cœur, là, t'as vu, j'ai mûri. Eh, hey, mais n'empêche, les trucs de pins, ils commencent à être pleins. Trop bien. Ah mais oui, grave, apprenez-moi des trucs, hein. Partagez-moi vos passions. Hein. Ça, je vous dis, ça peut être sur la K-pop, ça peut être sur un chanteur, ça peut être sur l'histoire, ça peut être sur tout ce que vous voulez. Il est trop beau. Je suis over fan. Merci énormément. C'est un super cadeau. En plus, ça prend pas de place. Ça c'est bien. Ça, c'est bien. Je l'ai acheté au musée où il y avait plein de drakkars très anciens. Trop cool. Et du coup, le second, c'est là où t'as pensé à moi en le voyant dans une boutique que t'aimes bien. Aya m'intriguait. Mais oui, on veut apprendre, Carla, exactement.
Partagez donc vos passions, mes enfants. Alors déjà, je vois pas ce que c'est, mais je vois ça. Ah bah... Là, il fait présent, hein, c'est un pit. Attends. J'en ai beaucoup des pins Harry Potter, hein. Est-ce que je l'ai déjà? Attends, j'essaie d'enlever les étiquettes pour pas me spoil. Oh là là. Oh là là, est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai pas? Vas-y, attends. Je vais le mettre là. Je vais le retourner. On va le voir en même temps, d'accord? Attention. Oh, je l'ai pas! Il est trop beau! Oh, c'est mon dragoninou! Oh, c'est trop bien! Oh, il est trop beau! Il est trop. Je suis jalouse. Ouais, je sais. Je serais jalouse aussi en vrai. Attends, je vous le montre de sans le plastique. Attends, faut que j'arrive à me cadrer. Voilà. Eh. Est-ce qu'un jour tu pourrais nous montrer tous tes pins? Ouais, grave. Je pourrais de ouf. J'en ai pas 36 millions de plus. Ça tient sur deux plaquettes, mais. On est d'accord, il déchire. Je suis trop fan. Merci Gigi, c'est beaucoup trop gentil. Tu m'as très bien cerné. Hein. En plus, c'est trop bien parce que c'est pas des cadeaux qui prennent de la place. Et je les adore. Vraiment, merci beaucoup. Je vais mettre ta petite lettre au chaud. Hop. Gigi d'amoroso. Gigi, tu m'as trop gâté, merci. C'est trop chou. C'est dommage que je peux pas te renommer. Je t'aurais mis genre Gigi Mère Noël. Merci, c'est trop gentil. Nous avons Elodie. Je trouve qu'elle voulait pas que je dise son prénom. Oh! Des petits dessins! Bonjour, je t'avais fait cette carte postale Goopix, mais j'ai visiblement oublié de la mettre dans le Choup Artiste. Désolée. Ah, elle est déjà passée en Choup Artiste, du coup. J'ai aussi oublié de mettre Noctali et Mentali, qui étaient pour les Choup. Du coup, les voilà, avec un peu de retard. D'accord, beaucoup, vu que je viens juste de tomber dessus. Bon Noël au passage, Thibou. At Aisha. On ira voir un peu qui c'est sur Insta, parce que... Je me demande si c'est passé, qui est passé il y a pas longtemps. On a un très beau Goopix. Ah oui, sa queen, là. Ah, sa queen, hein. Numéro 2. Oh! Alors, je sais que techniquement, ils sont pour vous, mais vous m'excuserez, vous n'êtes pas là. Donc, pour le moment, avant de vous revoir, je vais les garder, hein, au chaud, voilà. C'est... Bah oui, hein. Et un petit motelli. Oh, vraiment, ça me fait mal au cœur de les garder, hein. Ah, c'est difficile, hein. Ah là là, c'est dur, hein, de devoir garder de tels dessins chez moi. Vraiment, ça m'arrache le cœur. Hein. Ils sont trop beaux. En vrai, ils sont trop beaux. Ils sont beaucoup trop choux. Si je suis là derrière toi. Et réel, c'est que je vois avec le retour caméra. Hein. Ils sont trop choux. Vraiment. Bah tiens, on va retourner voir son Insta. Je crois que c'est celle qui était passée il y a pas longtemps. Il me semble. Mais on va vérifier. Alors... E-Y, alors par contre, quand vous mettez un Insta, écrivez clairement s'il vous plaît, parce que vraiment les petits zigouigouis, non bah voilà, typiquement, qu'est-ce que vous lisez vous? Attends, je la trouve pas, attends, qu'est-ce que j'ai écrit? Ouais non, c'est bien ce que j'arrive à voir, je vais vous la remontrer, hop, qu'est-ce que vous voyez? Moi je vis E, attends, je vais essayer de vous rapprocher encore, E-Y-S-S-C-H-I-A. Moi, je vois ça. Mais ça marche pas. Ah, vous voyez un... Attends. E, Y... Ah, vous voyez pas du tout les mêmes choses, en fait. Tout le monde voit des trucs différents. deux S... E... Ah, c'est un E, tu penses? Le E, c'est jouable. Je teste. E, Y, S, E... I, A... Non, c'est pas ça. L-I-A, un L. Pas un H, un L. Ouais. E-Y-S-S-E-L-I-A. Attends, je vérifie. J'ai pas de preuve. Ouais, ouais, c'est elle. C'est elle, puis elle est abonnée, c'est bon. Trouvé. C'est elle. C'est elle, c'est elle. Mais je me rappelle pas de l'avoir fait passer en Choup Artiste. Ou alors c'était il y a longtemps, peut-être. Ou alors, je l'ai pas encore fait passer. Parce que ça me dit rien.
En général, je reconnais les dessins. Là. Ah, celui-là, si. Celui-là, il me dit quelque chose. Celui-là, il me dit quelque chose. Elle avait peut-être pas mis sur son Insta. Du coup, ouais, si, ça me dit quelque chose. EYSSELIA. Envoyez des likes, mes enfants, hein. Oui, ça fait longtemps. Ouais, je pense. C'est pour ça que je remonte plus loin. Je pensais que c'était il n'y a pas longtemps vu le. Oui, celui-là, elle est passée en shoot des filles avec ça. Je me rappelle. Ah, bah les voilà. Qu'est-ce qu'elle avait fait? J'ai retrouvé le shoot des filles, mais. Bah, elle a progressé en tout cas. Hein. Ah, je vois pas qui c'est. Je pense qu'elle a peut-être pas mis ce qu'elle avait fait, hein. Ah, vous vous en souvenez? Et Mallory, tu te souviens, toi? Moi, j'ai pas. J'ai reconnu le choupe des filles, mais j'ai pas reconnu la de dessin que j'aurais fait passer en vidéo. Peut-être qu'elle a pas mis sur son Instagram les dessins qu'elle a envoyés dans la vidéo, c'est possible, hein. À part, je vous dis les deux que j'ai vus là-haut. Cette créature-là, je l'avais vue. Donc, je pense que du coup, il est passé. Celui-là, ça me dit quelque chose. On envoie les likes, mes enfants, hein. On envoie les likes, on envoie les commentaires. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Je garde les petits dessins bien au chaud. Zoup! Pour l'instant, je prépare la suite. Il y a le choupe des filles d'Halloween. Ouais, attends. Halloween où? C'est lequel le choupe des filles d'Halloween? Ami, quoi, c'est ce que je reconnais. Ah, celui-là? Après, il m'a tous les dessins. Celui-là, tête. Je suis pas sûre qu'elle ait fait chaud des filles avec ça. Avec deux chats. Ah, celui-là! Je m'en souviens. J'avais bien aimé le fond qu'elle avait fait. Ok. Adieu, j'ai vendu. Bon, du coup, ça lui fait un deuxième passage. Mais troisième, même, avec le chaud des filles. Mais. Le focus! Voilà. Troisième les trouilles. Voilà, faut que je fasse gaffe à pas montrer le dos. Je crois que c'est une carte postale. Oh! Une petite carte de vœux. Enfin, petite. Grande carte de vœux. Hop. Coucou Thibou, comment vas-tu? J'espère que 2020 n'a pas été trop difficile pour toi et je profite de cette petite carte pour t'envoyer plein d'ondes positives pour 2021. Je suis une choupe-choupe de l'ombre qui te suit, je crois, depuis 3 ou 4 ans et qui est abonnée à ta chaîne depuis 2 ans. 2 ans, oui, c'est ça. Alors, je laisse peu de com, mais ça t'est arrivé d'y répondre. Peut-être que le pseudo de Comberry Girl te parle. Oui, tout à fait. En tout cas, je te souhaite de passer de bonnes fêtes avec tes proches et le meilleur pour la nouvelle année. Tes vidéos m'apportent toujours de la bonne humeur. Bise, Comberry Girl. C'est trop chou, merci énormément. Je sais pas si tu verras cette vidéo ou ce stream. Je sais pas si t'étais là, d'ailleurs. Mais c'est trop mignon. Et vous pouvez tout à fait faire ça, hein. Genre une petite carte postale. Enfin, c'est trop chou, quoi. Après, voilà, on fera peut-être pas. Je pense garder le côté où on va sur Instagram mettre des trucs exprès quand il y a quelque chose. Genre, si vous envoyez une carte postale, par exemple, et que vous signez avec votre Instagram, on va pas aller faire une razzia sur votre Insta, quoi. Parce que ça fait un peu demande de pub après. Là, c'est pas du tout le cas, hein, elle l'a même pas mis, mais tu vois ce que je veux dire? Mais pour pas que ça tombe dans une demande systématique. Mais en tout cas, c'est trop trop mignon. Et le fait de donner à la limite vos réseaux, par contre, dans une carte, ça peut demander. Si d'autres personnes ont envie de vous connaître ou de vous parler, ça leur permet d'y aller de leur côté, quoi. Juste que moi, en question, j'irai pas toujours, toujours voir. Mais j'aime beaucoup, beaucoup. Ta carte est trop mignonne. C'est trop gentil. Merci. Est-ce qu'elle est là? Mon sang mallette est tellement simple comparé, j'en suis honteuse. Mais Ashura, mais ça va pas. Coup de balai pour Ashura. On ne se diminue pas. Et il n'y a pas d'attention moins bonne. Non, mais c'est quoi ça? Hein? Oh! Une carte, c'est mignon, il n'y a pas besoin de simple ou de pas simple. Vous verrez en rediff pour l'Instagram de celle d'avant, pas de panique si vous avez loupé. Coup de balai, on est d'accord, Mégane, merci. Mais c'est pour ça, en vrai, faut pas hésiter si vous voulez signer avec vos Insta ou quoi pour permettre à d'autres personnes de venir vous voir. C'est juste que nous, on fera pas forcément les trucs, quoi. Mais trop mignon, merci beaucoup en tout cas, Cumberry. L'attention me touche beaucoup. Et je me rappelle de ton pseudo.
À chaque fois, je trouve que ça fait penser à de l'alcool. Je sais pas pourquoi. Je pensais au jus de cranberry. Alors que c'est pas du tout de l'alcool, mais je sais pas. Alors là, je crois qu'il y a un quiz, mes enfants. Là, on va travailler. Là, il y a quelqu'un qui va vous faire bosser. Il me semble, hein. Comme j'avais sorti, comme c'était des grandes feuilles pour vérifier ce que c'était. Nous avons un petit pins. Nous avons un petit pins Fight Club. Est-ce que je laisse celui-là? Je laisse celui-là, donc je vais peut-être vous le faire gagner un de ces quatre. Faut que je fasse des concours plus souvent. En vrai, j'ai tellement de trucs à vous donner. Voici le Fight Club, petit pins. Voyons voir. Est-ce que le quiz porte dessus? J'en sais rien. Hein. Très cher Thibaut. C'est moi. C'est moi. Comment vas-tu? J'espère que tu as passé de bonnes fêtes malgré la situation. Je m'appelle Elodie, de mon pseudo Ashura, 32 ans. Et oui, team vieille présente. Eh, ça va, j'ai 31. Ah, mais t'es là, Ashura? C'est pour ça que tu te auto-flagelles depuis tout à l'heure? Je fais partie de la team discrète. Je commente ou participe rarement. Je suis plus du genre spectatrice avec le popcorn en main. Ça tombe bien, on a un emoji popcorn pour les subs, donc... J'ai plusieurs passions dans la vie. Disney, qui a dit que c'était pour les enfants. Manga, attention, je suis très sélecte. Les trucs qui font fureur chez les autres ne me plaisent pas vraiment. Comme par exemple Attaque des Titans ou My Hero Academia, ça me tente moyen. Je suis plus Team Clamp, Fullmetal Alchemist, Demon Slayer ou moi quand je me réincarne Slime. Du tout. Mais après, je suis pas une référence en manga, moi. Hein. Clairement pas. J'ai une autre passion, mais je vais te laisser découvrir avec ce qui suit. Je t'ai pris au mot lorsque dans un live, tu as demandé à ce qu'on t'envoie des quiz. Aussitôt dit, aussitôt j'ai commencé à rédiger un brouillon. Mais t'as tellement bien fait! Tu es le premier quiz. Et sans doute pas le dernier. Du coup, j'ai fait ce quiz moi-même. J'ai pas pompé sur internet. J'ai fait quelques recherches pour être sûr de pas dire de bêtises. Mais sinon, tout sort de ma petite tête. Dire qu'en général, on m'appelle Dory. J'ai zéro mémoire et là, je te pose un quiz de tête. Ce quiz contient 10 questions. Réponses en QCM. Les deux dernières pages, ce sont les réponses. J'ai essayé de développer au mieux. J'espère que tu passeras un bon moment dessus. Sur ce, je te laisse à la découverte de ce que j'ai préparé pour toi, les choup-choup. Bon quiz. PS, désolé, la lettre est courte, mais je sais pas trop quoi dire de plus en fait, lol. Pourquoi tu t'excuses? Pourquoi tu t'excuses? À quel moment? Alors, je vous laisse. Quels sont vos pronostics? Quels sont vos pronostics? À votre avis, il porte sur quoi le quiz? Je suis trop hypée, mais en vrai, faut trop faire ça. C'est trop bien les quiz comme ça. Vous allez tellement partager vos trucs, j'aime trop l'idée. Alors, Ali Lemon qui me fait boire, Pometa aussi, 1, 2, 3 Lollipop aussi, Yumeno Sora aussi, Nawelaz aussi, et le dos droit pour Clé Clé Faux. Donc, ça fait beaucoup d'eau. Manga, animé, sur toi, Disney, artistique, quelque chose de cool, Perlou, ça me paraît. Je regarde, vous voyez pas à travers, ça va. Alors, attends, petite anecdote. Le jour où j'ai imprimé tout ça, mon imprimante a rendu l'âme. Je suis donc allée chez mon père qui a un PC sous Windows 7 qui est donc lent et qui a planté. Après être venue à bout de la technologie, je rentre chez moi protégeant mon précieux de la pluie quand soudain une voiture passe en trombe et m'arrose moi et les feuilles. Si tu les trouves bizarres, sache qu'elles sont passées au chauffage. Voilà, maintenant je te laisse découvrir le quiz. Moi je pars sous la couette. Ah, t'inquiète pas. T'inquiète pas, va, on va s'en remettre. Alors, oh, c'est sur la mythologie. Oh, est-ce que vous y connaissez? Alors attends, je vais mettre les réponses, elles sont où? Elles sont là. Et j'ai deux pages de questions, c'est ça. Oh, ça va bosser, hein. Je suis tellement prête. Un tout petit peu, un peu. Et je vous laisse compter vos points entre vous. Vous trichez pas, ça sert à rien. Comptez vos propres points. Hein, qu'on voit qui a raison. Il y a 10 questions. Comment on fait pour t'envoyer une carte ou une lettre? Bah attends, je remontre. Pour ceux qui veulent. Bah, tu verras en rediff au pire, mais je vais quand même te montrer vite fait. Hop. L'adresse, elle est là. Et tu m'envoies à cette adresse-là. Tiboudouboudou, BP 280 38001, Grenoble. Il y a une modo qui va te le mettre dans le stream. Mais encore une fois, Team Rediff, c'est dans la description des vidéos YouTube ou alors Rediff Twitch, bah regardez les messages des modos quand ça panne. Alors, question numéro 1. Attention. Je suis le roi des dieux. On fait appel à moi pour rendre la justice, même si parfois mes jugements ne sont pas très justes. Qui suis-je? Réponse A, Odin. Réponse B, Osiris. Réponse C, Zeus.
Ah oui, tout le monde pop sur Zeus. Clairement, Odin, Osiris, tout le monde s'en balèque, quoi. Tout le monde parie sur... Ah, il y a une unanimité. Une unanimité de Zeus. Ah, Iris qui descend quand même Osiris. La réponse était bien Zeus. Réponse C. Nous avons un petit paragraphe explicatif. Réponse C. Zeus, roi des dieux, de la foudre et de la justice. Alors la justice, tout dépend du point de vue. Prométhée, pour avoir donné le feu aux hommes, se fait dévorer le foie par un aigle tous les jours. Du point de vue des hommes, c'est peut-être un peu exagéré. C'est vrai. Avec Prométhée, il a un petit peu douillé sa race quand même. Hein. Parce qu'il fallait pas se faire prendre, enfin se prendre pour un dieu à l'époque. Ils aimaient pas trop. Tu vois, c'est pas... Numéro 2. On dit que ma fille est née en sortant de ma tête. Pourquoi? Réponse A. J'ai avalé sa mère enceinte. Réponse B. J'ai voulu prouver qu'il n'y avait pas que les escargots qui en étaient capables. C'est ça. Ça, y a pas trop, ça va. Après, qui sait, si ça se trouve, Zeus, il était fan de Scargo. Peut-être. La réponse B est incroyable, on est d'accord. La B me tente beaucoup. Ah, je compris, Harumi. Je compris, je comprends. Je comprends. Réponse C, parce que je suis complètement tarée. Eh, on va pas rajouter des réponses, hein. C'était, alors, c'est tout. B pour la blague. Vous comptez vos points, hein, en comptant les blagues, hein. C'était la réponse A, parce qu'elle a avalé sa mère enceinte. Parce qu'il a avalé sa mère enceinte. Uranos, grand-père de Zeus, lui prédit qu'un fils né de Métis lui prendrait son trône. Dès qu'il apprit la grossesse de Métis, il l'avala. Dieu de la justice, tu te rappelles? Sympa. Et le machin est né de sa tête. Ah, mais écoute, pourquoi pas, hein? Quand on n'a pas de vagin, faut bien que ça sorte par quelque part. Question numéro 3. Combien d'enfants a eu Zeus? Réponse A, 8. Réponse B, 26. Réponse C, 15. Il y a beaucoup de 15. Eh, du 26. Ça aussi entre 15 et 26. Merci Célestaria pour ton prolongement de sub. Et on est 281 subs. On est pas loin des 300 là. Hein. Vous m'avez fait une remontada de subs. Ouf. Il y a du 15 ou 26. Ah, je repose la question pour Prout-Prout. Combien d'enfants a eu Zeus? Réponse A, 8. Réponse B, 26. Réponse C, 15. Non, il a eu plusieurs meufs à la mèche, t'inquiète. Réponse C. Zeus a eu au total 15 enfants. Si cela t'intéresse, tu trouveras la liste sur l'autre page. Ça m'intéresse. Je fais quoi? Les enfants de Zeus. Ah, mais attends, je vais peut-être finir les questions d'abord. On va finir les questions parce que si ça se trouve, il y a une question qui parle d'un de ses enfants, je voudrais pas spoiler, tu vois. Donc, c'était un piège là, hein. C'était piégeux, hein. Question numéro 4. Eris a voulu offrir une pomme en or à la plus belle. Qui Paris a-t-il désigné comme gagnante? Réponse A, Héra, qui lui offrit pouvoir et richesse. Réponse B, Aphrodite, qui lui promit un amour sincère de la plus belle femme mortelle. Réponse C, Athéna, qui lui promit la victoire de toutes ses batailles. Ah, ça me semble plutôt unanime sur Aphrodite là. Il y a une succession d'Aphrodite, donc Athéna et Héra, vouloir cracher à la bouche, quoi. Non mais... Faut pas qu'elle se vexe, mais... Oui, il y a de l'Aphrodite en masse, là. Et la réponse était bien Aphrodite. Aphrodite offrit à Paris le grand amour en la personne d'Hélène, ce qui déclencha par la suite la guerre de Troie. Très intéressant, d'ailleurs, comme histoire. Question numéro 5. Tu connais certainement le mythe de Hadès enlevant Perséphone. Sais-tu pourquoi elle fut obligée de devenir sa femme? Réponse A. Qui refuserait de devenir reine? Réponse B. Car elle mangea 3 grains de grenade. Elle a été cool quand même. Hein. Elle vous a mis des questions des fois. Ça va. Hein? On s'est quand même pris. B, je suppose. Harumi qui tente. Elle met un orteil, Harumi. Elle se risque pas trop. La B, la B.
Ah, Iris, t'es pas mal. Réponse B, c'est ça. En même temps, moi j'aurais bien voulu pécho Hadès si c'est pour. C'est pas dégueulasse d'être reine non plus, hein. Bon, des morts, certes, mais. Perséphone, trouvant les enfers trop lugubres, fit pousser un jardin, mais ne mangea ni ne but, car cela la condamnerait aussitôt aux enfers. Mais elle se fit duper par un serviteur et se laissa convaincre de manger 3 grains de grenade. Comme quoi, même les dieux sont pas les plus futés. Merci pour cette parenthèse, c'est vrai. C'est super intéressant. Hey, ton quiz, Ashura, est juste super cool, hein, je tiens à le dire. Question numéro 6. Alors celle-là, pas évident. Cela dit, je tiens à dire quand même que Perséphone, si vraiment elle devait bouffer un truc, pourquoi elle bouffe des grains de grenade? Ça n'a aucun goût. Au moins qu'elle bouffe une fraise, une cerise, quelque chose, parce que des grains de grenade, c'est un drôle, drôle d'idée. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, hein. Question numéro 6, donc. Quel est le vrai nom du Minotaure? Réponse A, Astérion. Réponse B, Minos. Réponse C, Thésée. Moi, je ne savais pas pour le coup. Je ne savais pas, personnellement. J'ai appris que. Là, officiellement, Ashura, là, j'ai appris un truc. Là, t'es. Ah, mais l'Ashura, c'était sûr! J'espère que le quiz d'Ashura donne envie à tout le monde de faire des quiz, hein! Vous voyez comme c'est rigolo de le faire ensemble? L'abbé sans conviction pour Iris. Les réponses, je redis. Quel est le vrai nom du Minotaure? Réponse A, Astérion. Réponse B, Minos. Réponse C, Thésée. Tout le monde a répondu? Comptez vos points, n'oublie pas. Alors, la réponse était. La A. Le Minotaure reçut ce nom, donc le nom Astérion. Du peuple. Attends, le Minotaure reçut ce nom du peuple du roi Minos. Cela signifie le taureau de Minos. Mais avant cela, il avait été baptisé Astérion. Il s'est en fait, il s'est fait. Ouais, attends, attends. Il s'est en fait, il a été baptisé Astérion. Et après, le peuple l'a appelé le Minotaure. Parce qu'à un moment, pourquoi je l'appellerais par son nom, quoi. Voilà. Je me suis trompée. Ah, oh, c'est des choses qui arrivent. Ah, et oui, c'est ah, là, c'est la piquette hein, pour certains là. Première page. Terminé. Seconde page. Pour quelle raison Méduse fut condamnée à devenir un monstre transformant tout être vivant en pierre? Réponse A. Elle s'est vantée d'être plus badass qu'Athéna. Réponse B. Elle a piqué la paire de chaussures dernier cri à Aphrodite. Réponse C. Poséidon l'a pris de force dans le temple d'Athéna. J'espère que c'est pas la C parce que c'est pas très féministe ça. Oh, vous êtes tous sur la C! Ah ouais, c'est unanime en fait! La meuf. Donc, attends, 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 si c'est ça! La meuf s'est fait violer et elle se fait punir? Wesh, Athéna, moi je te kiffais, mais. Est-ce que c'est vraiment de force? Oh, Yumi, arrête! Yumi, elle fait la mauvaise flic à l'époque de la mythologie, quoi! Est-ce qu'elle a vraiment été forcée? Hein? Est-ce que c'est prouvé? On va voir, on va voir, on va voir. Réponse, donc, question 7. Réponse C. Putain! Méduse refusa à de nombreuses reprises des avances du dieu Poséidon. Elle chercha refuge dans le temple d'Athéna, mais le dieu la rattrapa et la prit de force au pied de la statue d'Athéna, qui, insultée, transforma Méduse en gorgone. C'est tellement plus simple de punir les victimes, tel père, telle fille. Ouais, mais t'as grave raison. Putain, je suis dégoûtée! Je l'aimais bien, moi, Athéna! Bah, je l'aime plus, voilà. C'est une grognasse. Maintenant, je suis sur Aphrodite. Team Aphrodite. Ouais, franchement, trop déçu quoi. Choqué déçu. Athéna, je la voyais un peu en figure féministe et tout. Connasse en fait. Eh, moi je dis vengeance pour Méduse. On fait un truc pour Méduse. Attends, Méduse quoi, la pauvre. Ça se fait trop pas. Moi je dis on fait un truc, on lance un hashtag. C'est justice pour Méduse. Je t'expliquerai la suite qui est très triste aussi. Bah, grave, avec plaisir. Trop contente, j'ai eu tout bon. Attends, c'est pas fini! T'es sûr pour Aphrodite? Ouais, non. Artémis, ouais, c'est ça, voilà. Question numéro 8. Pour quelle raison Héraclès dut accomplir ses 12 travaux? Réponse A. Pour lui apprendre à rester humble. Réponse B.
pour expier les meurtres de sa femme et ses enfants. Quoi? Réponse C. Sa femme voulait des vacances entre copines, elle lui confia une liste pour l'occuper. Oh, j'aimerais trop que ce soit la C. J'aimerais trop. Moi, je voterais la C juste pour le plaisir. Je me souviens plus de la question. Pour quelle raison Héraclès dut accomplir ses 12 travaux? Réponse A, pour lui apprendre à rester humble. Réponse B, pour expier les meurtres de sa femme et ses enfants. Réponse C, sa femme voulait des vacances entre copines et lui confia une liste pour l'occuper. La C est magique, mais B quand même. Alors, voyons, bon, attends, je me mets du baume à lèvres. Pardon, mais à force de parler, hein. On est un peu en PLS, hein. C'est la B, mais j'aimerais la C. Alors, voyons voir. La 8, réponse B. Donc, pour expier les meurtres de sa femme et ses enfants, Héra rendit Héraclès totalement fou, et dans sa folie, il tua sa famille. Pour expier ses crimes, il quitta la ville et partit voir l'oracle de Delphes, qui lui dit d'aller voir son cousin afin qu'il lui confie des tâches pour expier ses fautes. Les dieux, c'est quand même des bons gros enfoirés, hein. Quand même. Un peu. Ah, ok, man, Little Fox. Ouais, mais au moins, Artemis a défoncé les mecs aussi, quoi. 7 points. Bravo, Kyoxo. 7 sur 8, c'est propre, hein. Vous en êtes à combien, là, niveau score? On est à 8 questions, il en reste 2. Sept. 8, 7, 5, 7, 8, 4. Iris, 4 avec les points de suspension. 6, 8, 7, 2. Ah là, mais on peut pas tout maîtriser, hein. 7 parce que j'ai trop cru en Zeus. J'ai pas compté, oupsi. Ah, mais c'est pas obligé de compter, hein. 4, 2, 6, 1, mais j'ai raté les questions de la première page. Ah, mais oui, mais Artine, du coup, oui, t'as 1 sur 2, quoi. Oui, clairement. Non, mais il y a de tout, mais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est des bons scores, c'est des scores honorables quand même. Hein. Moi, bah du coup, j'ai pas répondu, mais j'aurais eu faux. J'aurais eu faux pour le Minotaure. Je pense. Ah non, peut-être pas. Minotaure, j'aurais fait par défaut, parce que Minos était zé chez qui sait. Par contre, je me serais foiré pour Méduse. Je me serais foiré pour Méduse. Donc, je pense que j'aurais eu un point en moins. Et Hercule, je m'en rappelais un peu. Donc, Hercule, j'aurais hésité entre la A ou la B, mais j'aurais eu 7, je pense. On devrait avoir des Pouquets en cadeau. Alors, question 9. Il nous reste deux questions, mes enfants. Qui fut le tout premier loup-garou et pourquoi? Alors là, j'en ai aucune idée, personnellement. Réponse A, Sisyphe, pour avoir déjoué la mort. Réponse B, Lycaon, pour ne pas avoir respecté les règles d'hospitalité et servi son petit-fils en ragoût à Zeus. Réponse C, Tantale, pour avoir volé de l'ambroisie lors d'un repas avec les dieux. Heureusement qu'il y a des propositions. Oui, hein, on est d'accord, Artine. Ah, je pense que moi j'ai une. Attends, je regarde. Ouais, j'aurais compris avec la définition. Enfin, avec le nom. J'ai pas attendu la question. La question c'est qui fut le tout premier loup-garou et pourquoi? Réponse A, Sisyphe, pour avoir déjoué la mort. Réponse B, Lycaon, pour ne pas avoir respecté les règles d'hospitalité et servi son petit-fils en ragoût à Zeus. Réponse C, Tantale, pour avoir volé de l'ambroisie lors d'un repas avec les dieux. Étymologie vibes. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Et ma tante, t'as une chance sur 3. Un bon ragoût, bah c'est ça. Le seul unique loup-garou de ma vie, Jacob. Ah non, moi c'est Lupin. À choisir. Je savais pas qu'il y avait des loups-garous de base. Ça va et toi, Matt? Alors, la réponse est la réponse B. Lycaon était réputé pour son mépris des dieux et de ne pas respecter les règles d'hospitalité qui, à l'époque, étaient THE règle à respecter. Un peu dans le genre ne pas tuer les émissaires. Oui, d'accord, je vois. Zeus, pour le mettre à l'épreuve, se présente à lui sous les traits d'un mendiant. Lycaon le reçoit à sa table et lui fait servir de la chair humaine, son propre petit-fils, Arcas. J'ai envie de dire, Lycaon, il a pas volé une petite punition quand même, hein. Parce que quand même, enfin, servir son. Déjà, servir. Non, mais tu vois, même si c'était pas un dieu, Zeus, c'est moyen servir son petit-fils à bouffer quand même. C'est pas fou. C'est pas fou, quoi.
Et la dernière question, attention, elle est dure. Attention, vous jouez votre moyenne là. Pourquoi il a buté son petit-fils? Ah, je sais pas, c'est pas écrit. Attention, concentration. Êtes-vous prêt? Combien y a-t-il de dieux principaux? Réponse A, 10. Réponse B, 14. Réponse C, 12. Là, c'est dur. Là, c'est dur. Là, c'est pas. C'est pas. J'aurais fait au pif, perso, hein. Ça hésite. Ah non, mais vous avez l'air d'être plutôt unanime, hein. Goudou, vous savez ça? Putain, vous êtes trop intelligent. La mer Noire. Ah, oui, bah oui. Ah, c'est parce que c'est le milieu? Pour les travaux d'Astérix. Je sais pas comment je le sais. Eh bien, la réponse était bien 12. Il y a 12 sièges sur l'Olympe. Donc, réponse C, hein. 10 dieux sont des places fixes. Les deux dernières, ils doivent jouer aux chaises musicales avec 4 divinités. Encore une fois, je t'ai fait une petite liste. Bravo! Bravo! Alors attends, bravo, tu es arrivé à la fin du quiz. Comme tu l'as compris, la mythologie grecque me passionne. J'espère pouvoir visiter le Parthénon un jour. J'espère que tu as passé un bon moment et peut-être appris une chose ou deux. Petite bonus citation de ma série livre préférée. Hercule, hein? Percy fronça les sourcils. Ce gars, c'était le McDo de la Grèce antique. On pouvait pas faire 100 mètres sans tomber dessus. Et le livre, c'est Héros de l'Olympe, tome 3, La marque d'Athéna, suite de Percy Jackson. Alors, c'est absolument génial ce que t'as fait, Ashura, c'est complètement ouf, parce que déjà, c'était très drôle, c'était très ludique, je sais pas pour vous, mais moi je me suis amusée de ouf, j'ai appris des trucs, et j'en connaissais pas mal, mais en fait tes réponses guidées, par exemple Lycaon, je savais pas du tout cette histoire-là, mais j'ai grillé avec Lycaon, parce que je connaissais l'étymologie du truc, mais c'est super intéressant. Quels sont vos scores alors? 9 sur 10, 3 points, 6. Le résultat n'est pas glorieux. 3, 9, 10, 9. Ça me donne envie d'en savoir plus. Mais c'est le but! C'est trop ça! 6, 9, 6, 8, 9, 7, 2. J'adore! J'adore! Parce que ceux qui ont des pas bonnes notes, tu mets toujours des points de suspension ou un truc comme ça. Trop bien! En vrai, le but c'est d'apprendre. Et alors attends, on a du coup le petit bonus. Les enfants de Zeus. Il y en a 9 qui sont ou sont devenus des dieux. Athéna, Apollon, Artémis, Arès, Dionysos, Héphaïstos. Selon les versions, certains disent que c'est Héra, la seule génitrice. Héraclès, Hermès et Perséphone. Et 6 sont des mortels. Éaqué, Hélène. Ah, Hélène, c'est la fille de Dieu? Castor, Pollux, Clytémnestre, Minos. Les 10 dieux principaux et les 4 chaises musicales. Donc les 10 dieux principaux. Aphrodite, Apollon, Arès, Artémis, Athéna, Héphaïstos, Héra, Hermès, Poséidon, Zeus. Et les quatre chaises musicales, Déméter, Dionysos, Hestia, Hadès. Trop cool! Je pensais qu'il y avait plus de dieux que ça en vrai. Eh ben dis donc, t'as vu, hein? Ah, franchement, c'était trop trop bien. J'espère que ça vous a donné envie de faire plein de quiz, hein. Parce que, hey, c'était super fun. Honnêtement, à faire en vidéo, c'était vraiment super fun. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais. Ah, je connais pas Kisali. Il y en a beaucoup des dieux, mais c'est les principaux. Ah, bah oui, c'est le. Oui, d'accord. C'est les plus importants. Je comprends. Pourquoi ils s'appellent les chaises musicales? Parce qu'en fait, ils sont pas là à chaque fois aux réunions, quoi. Ah, mais c'était trop intéressant. Je connaissais un peu, mais sans plus, c'est un sujet tellement vaste. Mais grave, Natsubaru, je suis grave d'accord. Grave d'accord. Pas par mail, par courrier, Pikachu, par contre. Par courrier, je garde ce support-là. Suis en train de préparer mon quiz. Bien! Ça vous a hypé pour en faire? Alors, vous pouvez faire sur tout, hein! T'inquiète, j'en ai préparé dans mon futur courrier. J'ai hâte de voir si vous allez réussir ou pas. Oui, très bien. Et vous pouvez faire. Bon, là, elle a fait sur la mythologie, ce qui est absolument passionnant, mais vous pouvez très bien faire sur tout ce que vous aimez comme adresse, quoi. Je prépare un quiz sur l'astrologie. Trop cool. Mais en vrai, c'est trop bien parce que ça correspond un peu à l'idée que j'ai. Moi, j'adore apprendre. Et pour le coup, mais surtout, je dis apprendre, c'est pas forcément. Moi, j'aime beaucoup l'histoire. Mais en vrai, dès que je peux apprendre quelque chose ou m'intéresser à quelque chose, je suis chaude. Donc, c'est trop cool, hein.
La hype est présente. Ah, ça me fait plaisir! Alors, maintenant, regardez ce que j'ai reçu. Ah bah Shura, t'as vu? C'était un succès plein, hein? N'hésite pas si tu veux en renvoyer. Question culture générale, ça va pas être pour moi. Non, mais ça peut être sur une passion. Genre, si t'es passionné par la musique, par le, je sais pas, le jeu vidéo, un jeu vidéo en particulier, les mangas, la K-pop. C'est possible le petit jeu ou pas? Bien sûr, Geek Jiroba, bien sûr, tout est possible. Tu nous avais teasé sur Insta. Oui! Trop hypé! Trop hypé! Ça va très bien derrière le quiz. J'avoue, ça se passe en Grèce antique. Magnifique. Mais je l'ai pas ouvert. J'ai juste enlevé, il y avait un petit scotch, je l'ai enlevé et j'ai fait ça. J'ai fait ça, j'ai vu ça et je l'ai refermé. Est-ce que vous imaginez à quel point ça demande de la force mentale? Quand même. Ah, je l'ai pas vu, pourtant j'ai vu pas mal de ces vidéos, Laura. Je connais pas. Ah! Alors, Audition Blaze, c'est un visual novel qui a été développé il n'y a pas très longtemps. J'avais déjà joué avec à la démo sur ma chaîne YouTube. Et c'est un jeu vraiment qualitatif avec des développeurs absolument adorables. C'est vraiment une équipe super shoot. Et ils m'avaient proposé de m'envoyer. En fait, ils m'ont envoyé un message sur Insta il y a quelques semaines en me disant, est-ce que tu veux qu'on t'envoie un petit truc pour Noël et tout? Enfin, si tu veux bien, on veut bien ton adresse parce que ça nous ferait plaisir de te l'envoyer. Bien sûr! Bien sûr, évidemment! Je vais pas dire non. Alors, pour Thibou. Pour Frodon. Et regarde, la preuve c'est scellé. J'ai rien ouvert. La démo était trop cool, en vrai. Oui, le jeu est sorti maintenant, j'ai vu. Les deux premiers chapitres sont sortis. Oh, une petite létrouille. Cher Thibou. Oh là, hey, wow, hey, ils sont pas foutus de moi, hein, c'est une vraie létrouille, hein. Cher Thibou, cela fait plusieurs mois que notre petite équipe tenait à t'écrire et nous sommes ravis de pouvoir le faire au moment des fêtes. On voulait tout simplement te remercier. Nous sommes sincèrement heureux que notre communauté ait plébiscité toi pour faire cette vidéo découverte de notre jeu Audition Blaze. Alors, je tiens à dire, en fait, ce jeu, je l'ai découvert parce qu'effectivement, c'est des abonnés à eux, enfin des membres de leur communauté qui sont venus me voir en MP Twitter, en commentaire, commentaire YouTube, etc., pour me parler de leur jeu et me dire que ce serait cool et tout de faire un let's play dessus. Je l'ai découvert comme ça, en fait. On a pu y découvrir une jeune femme bienveillante, naturelle, sensible et solaire. Ce sont là des critères qui rassemblent beaucoup de nos joueurs également. Ça ne nous étonne donc pas que cette connexion se soit faite ainsi. Cela nous a fait d'autant plus plaisir quand on a vu avec quel enthousiasme tu incarnais chacun des personnages. Que ce soit le sulfureux Bacchus ou la brillante June, que tu incarnes particulièrement bien. Arrête, ça va me faire pleurer, hein. En vrai, c'est trop mignon. Et que tu aies autant apprécié la tonalité littéraire que nous souhaitons donner au jeu. Ouais, ça, putain, qu'est-ce qu'il est bien écrit. Ta rencontre avec le personnage de Pénélope et les choix que tu as décidé de faire avec elle ont également beaucoup touché nos joueurs, mais aussi notre équipe, ravie que tu aies souligné ces choses qui nous paraissent si importantes. Audition Blaze est avant tout un jeu sur l'identité. Plus que les prouesses et les combats des héros mythologiques, nous voulons évoquer les sentiments et les différentes émotions que peuvent ressentir ces protagonistes. C'est pourquoi nous avons voulu donner de la visibilité à des personnages comme Pénélope, qui n'ont pas de monstrueuses créatures à combattre, mais qui possède des combats d'autant plus importants qui résonnent avec notre époque moderne. Nous sommes vraiment heureux que tu aies pu mettre en lumière cette discussion entre elle et June qui nous tient spécialement à cœur. On souhaitait en plus de tout ça te remercier d'avoir accepté de manière si naturelle notre demande et celle de nos joueurs. C'est pourquoi nous t'offrons ce petit cadeau. Il s'agit d'un coffret Audition Blaze. À l'intérieur se trouve tout un tas de petits trésors liés aux personnages du jeu. On espère qu'ils te plairont. Nous espérons que tu prendras également plaisir à découvrir la suite de l'aventure. June aura sans aucun doute besoin de toi pour la guider dans ses choix face à son odyssée. Une nouvelle fois, merci et on te souhaite de la part de toute notre équipe de très joyeuses fêtes. Sincèrement, l'équipe Audition Blaze. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer tellement ça me touche. C'est un truc de fou. C'est trop chou. Il n'y a pas un let's play, il y avait une vidéo démo. J'avais testé leur démo. Sur la chaîne YouTube, pour le coup, si vous tapez Audition Blaze Thibou, vous devriez la trouver assez vite. Et en fait, je l'avais faite parce que donc j'avais été pas mal sollicitée par leur communauté, donc qui me connaissaient aussi forcément, hein, et je les avais contactés sur Discord, on avait parlé, et j'ai testé donc du coup leur démo. J'ai été conquise parce que franchement, le jeu, il est super bien écrit, et j'avais adoré la profondeur des personnages, rien que dans la démo, c'était assez bluffant. Donc, ah non, oui, pardon, je vous montre la lettre.
Et là, je veux dire, la lettre, c'est pas un truc tout fait, tu vois. Ils ont pas juste mis merci et tout. Ils ont vraiment fait une lettre personnelle et genre trop touchante. Enfin, leur jeu m'avait vraiment ému sur plein de points, effectivement, parce que du coup, moi, je m'étais rapprochée de Pénélope. Et j'avais été très touchée de justement du choix amical qu'ils avaient proposé et tout. Enfin, et le fait que ce que j'ai fait, ça leur ait autant parlé, c'est genre la plus belle récompense. J'avais pas touché d'argent hein, pour jouer à leur démo, je l'avais fait gratuitement. Putain, c'est trop touchant. En vrai. Du coup, trop cool. Donc le jeu est sorti. On va aller voir leur Insta après à eux. Hein. Je compte sur vous, mes enfants, on va leur envoyer de l'amour. Alors voyons voir. Voyons voir un petit peu ce qui nous attend. Oh putain, hey, mais ça fait tellement plaisir. Franchement, ça me fait tellement plaisir d'aider. Enfin, d'aider dans mes moyens, mais d'avoir pu mettre un peu de visibilité à ces personnes parce que c'est un peu comme Idols. C'est tellement des gens bien qui mettent du cœur dans leur projet et qui sont humains en fait et qui ont envie de partager quelque chose. C'est. Ça me fait trop plaisir. Vraiment, ça me touche beaucoup. Ah, mon élastique. Voyons voir. Oh, il y a tout. Oh, 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 oh là. Vous avez pas vu? Non, je sais pas si vous avez vu. Alors attends. Donc, là, on a la photo avec tous les protagonistes. Voilà, donc Pénélope, elle est là, qui ressemble un petit peu à Mégara en plus. Donc là, c'est juste trop bien, tu vois. Vous avez pas vu derrière? Regarde, regarde, regarde. Là, ils sont habillés. Et là, ils sont à poil. Non, ils sont pas total à poil, mais... un petit peu. Ils sont à poilounet. C'est... Voilà. Et on peut pécho tout ça, hein. Tous les mecs qui sont là, tous les mecs et meufs, on peut les pécho. On peut choisir, et on peut choisir d'incarner un garçon ou une fille et de le rendre ou homosexuel ou pas. Ou hétéro, enfin on fait ce qu'on veut quoi. Mais je pense, oui, je pense que je vais faire le chapitre 1 et 2. Bah ils viennent de le dire en plus, enfin, ils ont dit dans la lettre que du coup ils étaient chauds. Oh c'est dédicacé, j'avais pas vu. Ils m'ont dédicacé ça l'habillé. Oh ils m'ont aussi dédicacé ça l'habillé. Oh c'est trop bien. Celui à droite de notre Fifi, il est à deux poils de perdre son ruban. Oui, 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 j'ai remarqué. J'ai remarqué. Lequel vous préférez? Ah, c'est Pénélope, moi, elle me plaît tellement. Mais en fait, c'était marrant parce qu'au début, quand j'ai commencé à jouer, j'étais hypée pour Pénélope. Et en fait, quand j'ai parlé avec elle, j'ai été conquise, mais amicalement, genre, elle m'a trop touchée. J'aurais pu choisir une option, bah, vous pouvez voir si vous allez voir la vidéo après le stream si vous êtes curieux. On aurait pu choisir une option pour essayer de la draguer. Mais en fait, à ce moment-là, elle te parle de son mari qui lui manque et tout. Et ça aurait été vraiment lourd. Donc moi, je suis partie sur l'option amicale. Et la discussion qui en est sortie m'avait énormément touchée d'un point de vue maturité et complicité. Enfin, c'était trop beau. Le mec aux cheveux gris, celui du fond en train de perdre son ruban. C'est vrai que bon, lui, il avait pas de ruban, hein. Lui, le ruban, c'est le ruban du copain, hein, donc... Ah non, mais c'est trop chou, franchement. N'hésitez pas, ouais, à aller voir sur la chaîne. Je vous dis, Audition Best, Iboudou Boudou, vous devriez tomber dessus assez vite. Hein. Ensuite, on a un petit porte-clés trop mignon. Du coup, je crois que c'est notre meilleur pote, celui-là. On peut le pécho aussi. Hein. On peut le pécho. Mais je pense que c'est lui. Ou alors, c'est... En fait, on peut incarner ou elle ou lui. Et Anne attend le focus. Hop. Et je pense que là, le petit porte-clés, c'est lui. Vu les cheveux. Ouais, le truc vert, c'est lui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Porte-clés de notre meilleur pote qu'on peut péchoter. Dommage, pas à poil. Ah bah non. Ah bah non. Ah bah il devait être là-dedans. Ah bah non, je sais pas ce qu'il y avait là-dedans. Ah, c'est pas fini. On a des cartoons. Oh là là, c'est trop beau. On a des cartes. Alors attends, je me positionne. Voilà. On peut pécho tout le monde, oui, on peut pécho tout le monde. Donc là, c'est notre personnage avec le gars, notre meilleur pote, du coup. Lui, c'est... Alors lui, on peut pas le péchoter, c'est notre mentor. C'est un peu notre papa adoptif, il s'est occupé de nous et tout. Donc ça, c'est notre Fifi. Oh, trop chou! Moi, j'avais joué avec June, j'aime bien jouer une fille, mais on peut jouer un gars, du coup, on peut jouer le gars, du coup. Oh! Pénélope qui nous fait un bisou! C'est trop chou. Waouh. Ah mais lui il me plaisait en plus. Lui il était dans ma liste. Mais c'est le satyre lui. Je crois que c'est un dieu qu'on peut pécho. C'est Bacchus non? Je crois que c'est Bacchus. Mais il est sexy Bacchus. En même temps Bacchus c'est le du cucu et du vin. Donc en même temps... Enfin pas du cucu mais... Elles sont trop belles les élus. Elles sont trop trop belles. Ah il y a d'autres trucs. Oh là là. Alors attends. J'ai tous les versos. Je trouve bien. J'ai d'autres porte-clés. Hop. Donc, elle, je suppose
Bah que, est-ce que ce serait pas June? Non, c'est pas June. C'est peut-être une déesse. Je sais pas qui c'est. En tout cas, elle est stylée. Oh, lui, il est trop bien fait. Lui, c'est notre perso. Il déchire. Le mec qu'on peut jouer, il est grave canon. Ah, grave. Et là, c'est nous, c'est notre fifi, c'est June. Trop bien. On a un tote bag. Génial. J'espère trop pour aller voir en convention. Si à un moment les conventions rouvrent, j'aimerais trop bosser avec eux. J'avais fait sur un stand. Pour qui je l'avais fait? J'avais bossé, j'avais fait une séance dédicace sur un stand d'un jeu vidéo. C'était quoi le jeu? Je sais plus. Mais j'avais bien aimé. C'était une ambiance très agréable. J'aimerais trop bosser avec eux. Et forcément, en fait, les boîtes, ils aiment bien parce que ça leur ramène, nos abonnés ramènent du monde. Mais c'est sympa de bosser avec des gens que t'aimes bien, quoi. Ça date de ouf, Perlou. Alors, on a plein de petits badges. Je vais les garder pour la fin. Je vais les garder pour la fin. On a plein de marque-pages. Séduction story, c'est ça. Merci, j'avais un bug. Donc, notre bonhomme. On a June. Attends, je vous montre le derrière. Hop. On a June, donc notre fifi. Qui est d'une maturité. J'ai adoré ce perso. Notre meilleur pote qu'on peut pécho. Oh, ma Pénélope d'amour. Elle a grave un côté Meg, on est d'accord. Hein. Lui, c'est un mec badass. Lui, il est sexy un peu quand même. J'avoue qu'il me plaît bien, quand même, un petit peu. Tu vois, c'est un peu un gars qui râle et tout, un peu à la Castiel. Mais Castiel du départ, tu vois. Il me plaît bien. Lui, il me. J'aime bien, j'aime bien. Bacchus, du coup. Du cucu. Et elle, je sais pas qui c'est. Ah bah, c'est Athéna. C'est marqué en dessous. Et je l'ai pas vue, moi, en fait, dans le jeu. C'est pour ça que je la connaissais pas. Elle est trop belle. Trop belle. On a. Bah voilà, justement, avec la pub pour leur Insta, Twitter, Facebook, etc. Et derrière l'affiche. Je vais peut-être faire un focus quand même. Ouais, on voit mieux. Ah, c'est trop chouette, Caroline. Mais je te dis, va voir la vidéo sur ma chaîne. J'avais fait le let's play de leur démo. C'était vraiment génial. La petite carte de visite, très pro, très jolie. Et les badges, mes enfants. Bah, je pense qu'on va finir avec ça en vrai, hein. Les badges, on a de quoi faire. Hein. Alors, on a June. Hop. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle Audition Blaze, c'est ça l'écriture. Audyssiane. Blaze. On a notre meilleur pote qui dit Of course. Oh, celui-là il est pas mal. Celui-là il est pas mal. Try me. Yeah. When you want, beau gosse. Là, c'est notre bonhomme. Il a l'air un peu con-con quand même. Je pense que notre fille est plus intellectuelle. Là, c'est notre prof qui est pas content. Il est pas content. Il est pas content. Là, on a Bacchus. Oh! Bacchus! Il est sexy. Ma fille, je l'ai pas fait aller avec lui. Mais parce que je sentais que c'était pas son caractère. Oui, moi, j'analyse un peu trop mes personnages. Mais il est trop mignon! XD, je sais pas qui c'est, il a un petit côté Momiji. Je vois pas lequel c'est, mais. Ouais, on n'a pas encore rencontré Athéna, mais. Oh là là, on finit par le meilleur. Donc là, c'est notre meilleur pote qui est un peu gêné. Qui est donc le fils de Ulysse. Comment il s'appelle le fils d'Ulysse déjà, j'ai oublié. Salut, je viens d'arriver, je suis désolée si on t'a déjà posé la question, mais est-ce que tu comptes reprendre ce jeu? Désolée si ça te saoule que je te pose cette question. Ça ne saoule pas du tout, Antiton, merci beaucoup pour tes bytes. Je pense, ouais. Je pense le reprendre. Et en plus, surtout que ça va sortir. C'est pas comme si, genre, je devais faire 8 mois dessus, tu vois. Genre, là, je peux me mettre à jour et attendre que la suite arrive, un peu comme Idols. Et regardez, on finit par la plus belle. Pénélope qui fait kiss. Télémaque, merci. Voilà. Voilà. Est-ce qu'elle est pas trop belle? Est-ce qu'elle est pas trop belle? Ils sont trop choux. Alors, eux, pour le coup, mes enfants, on va aller sur leur Instagram. Et je veux qu'on leur envoie une vague d'amour, mais ils sont pas prêts, tu vois. Je veux que genre ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Notre Instagram a pris feu. Cette lettre, je vais pas l'encadrer, faut pas déconner, mais elle me touche trop, quoi. Alors attends, je range. Non, je vais la laisser là, en fait, parce que là, je m'en fous partout. Alors attends, focus. Voyons voir Instagram. Hop. Si vous avez manqué des Insta pendant le stream, n'hésitez pas à avoir un rediff, hein. Yo, je viens à peine d'arriver, j'ai loupé quoi? Bah, Keep PC, t'as loupé plein de trucs! Audition.
Ah bah direct. En même temps, je les follow, donc forcément, ils arrivent en premier. Allez, mes enfants, je veux qu'on les submerge, d'accord? On leur envoie la masse de likes, de commentaires. Vous pouvez dire que vous avez vu le colis qu'ils m'ont envoyé. Vous pouvez dire, voilà, vous dites-leur en commentaire que vous avez vu en stream. Dites-leur ce que vous pensez du jeu, des persos, de la lettre. Hein, voilà, dites ce que vous voulez. Mais montrez-leur le pouvoir du Tibou Crew, vous voyez? Le compte Audition Blaze. Normalement, vous le voyez là. Hein. Normalement, vous le voyez. Oui, c'est bon. Audyssianblaze. Je compte y jouer aussi de mon côté. Ah non, mais franchement, je pense que je vais pour le coup le continuer en. Oh, trop mignon. Daphné. Oh là là. En fait, ce qui est trop cool, alors c'est inspiré. C'est pas la mythologie pure, mais c'est inspiré de la mythologie. J'ai entendu un bruit, mais je ne sais pas ce que c'est. Oh, c'est gentil, coin coin, pour ton hébergement. Merci beaucoup. Et donc voilà, c'est inspiré de la mythologie, mais c'est pas exactement. C'est inspiré de plusieurs mythologies en fait. Ils font pas juste la mythologie grecque ou quoi, il y en a plusieurs. Ah, tu vois, genre là, il est troublé. Oh, c'est trop. Bah, du coup, j'ai trop envie d'y rejouer. Je suis trop contente. Ça, c'est notre meilleur pote. Qui est un peu neuneux, mais sympa. Et ça, c'est qui? Oh, le tote bag. C'est Stéphanie. Bah, écoute, je ne la connais pas, mais elle est trop mignonne. Je like. Est-ce que tu veux pécho ton meilleur pote dans le jeu, bien sûr. Je sais pas si on peut pécho notre meilleur pote. Je crois que oui. Je crois qu'on peut. Je crois qu'on peut. Trop mignon. Ils sont trop chou. Qui va se rajouter un visual novel alors qu'il est déjà en cours à 7 en cours? C'est moi. Ouais, j'avoue. Eh ben écoutez mes enfants, 19h20 c'est parfait, j'ai commencé à 18h. Je pense qu'on va s'arrêter là. En soi après, bon, du coup, en fait là je suis à jour dans tout ce que j'ai reçu cette semaine. Ce que j'ai encore là c'est les chou-parties, ce que j'avais en stock. Donc je pense que c'est pas mal qu'on s'arrête là. Et oui je ferai la suite avec vous, oui. Bien sûr je ferai pas de mon côté. Hein. J'ai trouvé l'image où ils sont presque à poil, on va archiver ça tout de suite, tu penses. Du coup mes enfants, on se laisse là. On se retrouve demain à 21h pour voir la suite de This Is Us. Donc c'est une série Amazon Prime. Donc il faut pas hésiter. Enfin il faut avoir Amazon Prime pour pouvoir la voir. Sinon vous verrez que ma tête en grand en fait. Donc ce qui a peu d'intérêt parce que vous verrez pas la série. Mon premier stream. Ah trop cool, Aïkololi. Et donc je reprends. Donc c'est tous les dimanches à 18h que je fais ce concept-là. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des lettres parce qu'évidemment si je ne reçois rien, eh ben je peux pas faire mon concept. Donc n'hésitez pas, envoyez ce que vous voulez. Je vous dis ça peut être des toutes petites choses, ça peut être une blague, ça peut être un petit quiz. C'était vraiment sympa le quiz pour le coup. Et enfin voilà, faites-vous plaisir et merci de faire vivre ce concept. Merci d'être aussi gentil, d'être aussi chou, de votre soutien, de votre gentillesse. Et je suis juste trop contente quoi. Vraiment, c'était un super moment. J'ai passé un super stream et je suis très heureuse. Voilà, je vous quitte en étant très heureuse. Plein de bisous. Passez une belle soirée. Et merci ma tornade pour tes bites. Bisous tout plein.